Salut tout le monde, aujourd'hui 3 mars 2018, je souhaite bonne fête à mon père qui est en ce moment avec moi. Là on va aller à la pêche dans Baie-de-Carillon pour viser principalement Marie-Anne, Perche Chaude et un peu de brochet. Il y a aussi du doré, du masquinongé dans cette baie-là, alors ça se pourrait qu'on en attrape aussi. Là je dois avouer que je suis très fatigué, j'ai pas eu beaucoup de sommeil à cause qu'on a eu un changement de dernière minute qui a allongé nos préparations. Mais je dois avouer que j'ai quand même très hâte d'y aller, alors on se retrouve rendu sur la glace. Ah ouais, ça monte. Oh! Ah! Hein? Ouais! Yes, sir! Oh! Ça a l'air pas pris, ça! Oh, yes! Oh, regarde-moi le bluegill! Il est beau, papa! Yes, sir! Et voilà! Yes, sir! Ça roule-tu, mon affaire? Yes, sir! Yes. Oh. Yes, sir. Hey, allô. Là, en ce moment, je pêche avec une petite tête de jig en plomb d'un 16e d'once que j'ai monté sur un petit bout de verre de terre. C'est très simple, ça fait très bien la job. Pour vrai, puisque le poisson aujourd'hui était un peu plus sur le neutre, malgré qu'on a fait une très belle pêche, il a fallu aller avec une approche un peu plus en finesse et avec un plus petit format aussi. En début de matinée, j'avais essayé avec la Power Nymph qu'on voit ici. C'était un très bon leurre, c'est une très belle action, sauf que c'était trop imposant pour le poisson, ce qui ne l'incitait pas à mordre, tandis que mon père, lui, avec une approche plus en finesse, réussissait à les attraper. Ça nous a permis de trouver notre pattern de la journée et de pouvoir capturer encore plus de beaux poissons. De plus, le choix de la canne est très important. On a pris des cannes qui sont très sensibles, très molles, pour pouvoir sentir les tout petites touches. Sinon, avec des cannes rigides, on sent mal les touches et en plus, c'est beaucoup plus facile de les ferrer. Alors, un bon combo de bon leurre avec bonne canne, ça donne des bons résultats. Yes, il est dessus! Yes, sir! Une autre belle perche chaude. Avec le système. Et voilà. Tu vas retourner à l'eau. Yes, sir! Regarde-nous ça encore! Il y a une autre perche chaude. On a pogné en masse. Oh, il est dessus. Yes, je l'ai. Oh, Marie-Anne! Yes, sir!
Yes, sir! Première Marianne. Yes, sir! Et voilà! Oh yes! Oh! Une Marianne encore! Beau poisson. Non, elle est trop petite. Mais il y en a qui en gardaient de la grosse de même. Hey, regarde ça! Monster! Non, mais regarde, c'est pas supposé se faire mieux, non? Là aujourd'hui notre stratégie c'est que le matin on voulait se trouver des places pour pêcher un petit peu, voir comment que ça mordait. On s'est fié justement à d'autres pêcheurs des alentours qui connaissaient bien le secteur pour le savoir. Justement dans Baie-de-Carillon, il y a plusieurs pêcheurs qui sont bien sympathiques, qui nous ont aidés. On les remercie grandement. Avec ça, justement, on a pu trouver ici cette place-là. Une place qu'on a pu avancer quelques perches chaudes, deux marganes, quelques crapets le matin. Ça a bien été. Vers midi, on a eu une petite baisse des morsures. On a décidé alors d'explorer les environs, d'explorer des nouvelles places, plus vers le bord, le fond de la baie, un peu partout. Ça n'a pas donné des gros résultats. On a un petit peu de crapet, ça a été tout. Alors, on est revenu à la place de départ pour la pause du soir. Pour le moment, on attrape beaucoup de poissons, des belles perches chaudes. C'est gros. On n'a pas fini la pêche non plus. Il y en a encore beaucoup à faire. Mais c'est une très belle expérience. Je suis bien content d'être venu ici. On se revoit avec d'autres poissons. Oh! Yes, sir! Yes, sir! Celle-là? Oh non! Regarde ça comment qu'il est gros! Regardez-moi la grosseur de ça! Oh! Il est énorme! Oh, c'est gigantesque! Yes! We'll be right back.
Pas chaud! Deux de suite! Un doublé! Yes, sir! Oh! Oh! Yeah! Yes, sir! Cinq heures et demie, le soleil se couche. Il est temps pour moi d'y aller. On a déjà ramassé tout notre matériel. Pour vrai, ça a été une très belle journée pour moi. On a capturé une quantité industrielle de perche chaude, une quantité vraiment très impressionnante. J'ai vraiment aimé ça. On n'a pas juste attrapé de la perche chaude non plus. On a attrapé de la marigane, du crapet soleil, en plus de la perche chaude. Bref, pour avoir pas venu ici depuis plus de 3 ans, ça a été une très belle expérience. C'est une belle place ici, la baie de Carillon. En plus de ça, j'ai entendu dire que les autres pêcheurs n'auraient pas eu la même chance que moi. Ils n'ont pas eu beaucoup de pêcheurs qui ont attrapé, et en plus des gros poissons. Alors, je suis bien heureux d'avoir eu cette chance-là. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. See you.